faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. À l'instar des nombreuses associations des commerçants, le mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire, MRCCI, se veut particulier par les objectifs qu'il s'est fixés. Cette volonté s'est manifestée par le lancement des activités du dit mouvement le samedi 14 décembre 2019. Et même qui a été au sommet, au nom de Jésus-Christ et de Rome. Amen. Au nom, au babonnant, reconnant au nom de Christ et de Rome. L'honneur me choisit ce jour, en tant que président du comité d'organisation, du lancement des activités du mouvement pour la réévaluation du commerce en Côte d'Ivoire, MRCCI, de vous souhaiter la traditionnelle Akwaba. Après avoir longtemps réfléchi sur un mécanisme qui pourra contribuer à l'épanouissement des commerçants vivant sur le territoire ivoirien, nous avons décidé de mettre sur pied le MRCCI. Chers commerçants, notre bébé vient de naître. C'est à nous de savoir prendre soin de lui afin qu'il ait une santé de fer. Partant notre adhésion totale et sans faille est souhaitable pour permettre au MRCCI d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Vive le MRCCI et que la fête soit belle. Kabo Yao Junior, président du mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire, s'est dit heureux de présider aux destinées du dit mouvement. Il a par ailleurs exhorté les commerçants à y adhérer, car le MRCCI se veut un mouvement qui mettra tout en œuvre pour la défense des droits des commerçants et surtout le bien-être de ces derniers à travers des actions concrètes sur le terrain. Le commerce est l'un des secteurs d'activité les plus importants dans l'économie d'une nation et dont un grand pilier de développement du pays, parce que pourvoyeur de richesses. Le commerce bien organisé et bien structuré, c'est la garantie d'une économie forte. Pour ce fait, ce secteur d'activité a besoin d'une bonne organisation, une des structures personnelles, professionnelles, de régulation, soucieuse du bien-être des acteurs du commerce, que sont les commerçants. La création du mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire, MRCCI, est partie du constat que le commerce en Côte d'Ivoire a besoin d'une véritable restructuration et les commerçants d'une formation et d'un suivi dans la gestion afin de bien devenir et vivre de leurs activités. Car avons l'impression que ceux-ci sont livrés à eux-mêmes et pourtant ce secteur est non seulement pourvoyeur d'emplois mais surtout le grenier économique de notre pays. Chers commerçants, le plan d'action que le MRCCI a concocté peut permettre à tous ceux qui exercent dans ce secteur d'activité sur le territoire ivoirien de vivre décemment. Car nous sommes guidés par une volonté commune de promouvoir les meilleures conditions économiques possibles dans l'intérêt des commerçants. Nous voulons être le principal vecteur de la réalisation de l'accès au commerce pour tous. Nous voulons encourager les échanges
information et expérience entre les membres de ce secteur. La numérisation des données afin de permettre aux commerçants de suivre l'évolution de son business et apprendre de nouvelles managériales pour plus de bénéfices. Nous voulons susciter la création de pôles de production par région. Nous voulons promouvoir les études des projets. Nous voulons développer les relations avec les organismes de financement, faciliter les contacts entre les investisseurs ou bailleurs de fonds qui s'intéressent au secteur du commerce, assurer la présence du MSCC au forum national et international traitant des questions du commerce, inventorier et localiser les ressources et les infrastructures en place, assister les structures publiques à bien définir les plans de commercialisation, etc. Pour atteindre ces nobles objectifs qui font concourir à nos bonheurs à tous, il est indéniable que nous, les commerçants, adhérons tous au RPCC. Notre parrain, notre président, sans oublier nos invités, sont également sollicités pour les soutiens sans faille afin de porter loin notre message. Je ne saurais terminer mes propos sans dire un grand merci encore à tous qui ont sacrifié de leur temps pour nous témoigner leur considération et leur soutien à cette cérémonie qui marque la naissance officielle du mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire, le RMCC, l'outil qui fera notre bonheur à tous. Je vous remercie. Cette cérémonie de lancement aux allures festives a pris fin par l'onction des membres du bureau du MRCCI par Patrick Bredé, représentant du parrain. Monsieur le Président, Monsieur Kabo Yao Junior, recevez toutes les félicitations du parrain pour cette initiative noble. Vous l'avez dit, le commerce est la pierre angulaire de l'économie en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Révaloriser le commerce en Côte d'Ivoire, c'est ouvrir de nouvelles perspectives pour ce secteur qui emploie tant de personnes. C'est pourquoi votre initiative est saluée à sa juste valeur et vous recevrez en temps voulu le soutien à la hauteur de votre engagement et de l'engagement de tous vos membres pour le développement du commerce en Côte d'Ivoire. Nous avons l'avantage, personnellement, d'avoir à l'oreille d'un haut représentant, sinon d'un haut responsable du ministère du Commerce, avec qui, dès la fin de cette cérémonie, nous allons échanger sur l'accompagnement de votre structure, parce que c'est seulement en étant organisé, c'est seulement en étant ensemble, chers membres de ce mouvement, que vous pourrez aller loin. Il n'y a aucune autre alternative qui s'offre à vous à part l'unité. Vous mettre ensemble, travailler à ce que les intérêts des commerçants que vous êtes soient défendus et que vos différents secteurs d'activité soient promus. Vous n'avez pas un autre choix. Chères mesdames, chers messieurs, aujourd'hui, l'État Providence est derrière nous. Aujourd'hui, l'assistance de l'État, et vous le savez, se fait de plus en plus difficile. C'est nos intelligences, notre dynamisme, notre sens de l'engagement pour le développement de notre Côte d'Ivoire qui va permettre à chacun à son niveau de faire avancer notre nation. Nous n'avons pas un autre choix que de travailler d'arrache-pied chaque jour pour que chacun à son niveau, au niveau du commerce, que vous soyez agriculteur, que vous soyez commerçant d'articles tout court, que vous soyez boucher, que vous soyez opérateur dans différents secteurs,
vous avez intérêt à soutenir ce mouvement, le mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire. C'est un secteur stratégique. Aujourd'hui, si on annonce des chiffres de la croissance en Côte d'Ivoire, c'est bien parce que le secteur du commerce est dynamique. Il est en train de retrouver ses valeurs et son lustre d'antan. Que ce soit des petits commerces, que ce soit des grossistes, que ce soit des détaillants, il y a un dynamisme qui est engagé. Et c'est pourquoi nous saluons encore, au nom du parrain, l'initiative de cette structure, de ce mouvement. 2020, 2025, 2030 sont juste à côté. L'avenir appartient à ceux qui vont entreprendre. L'avenir appartient aux commerçants. Jeunes de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons une chance inouïe de s'engager dans l'entrepreneuriat. Engageons-nous dans le commerce, comme nos mamans qui font le vivrier, nous le montrent chaque jour. Comme nos sœurs qui se sont engagées dans les petits métiers, nous montrent chaque jour. Nous devons participer à ce que la paix revienne totalement dans ce pays en étant des agents de développement. Et être des agents de développement, c'est surtout être des commerçants. Chers commerçants de Côte d'Ivoire, chers membres du mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire, vous êtes pour nous le fer de lance de ce que la Côte d'Ivoire va redevenir demain. Je vous remercie au nom du parrain et que Dieu vous bénisse. Ivoire TV.